Donc, la Grafton Farmhouse pour faire le défi de Nairan. C'est un double défi quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Allez, let's go. Faut que, avant que je fasse mon enquête, je prenne un objet de chaque pièce. Et à chaque fois que je sors, je prenne un objet avec moi. Je vous laisse ici, passez une bonne soirée et bonne nuit. Ça marche, Charmus. Merci beaucoup d'être passé. Bonne nuit à toi et puis à la prochaine. Bon courage pour ta journée de demain. Allez, charge, voilà. Oh, c'est la grosse pluie. Ghost Evensel, lançant pendant la chasse, Richard Thomas. Je bosse pas demain, c'est grasse mat. Eh bah, profites-en bien pour te reposer comme il faut. Faire ça comme ça. Bonne nuit à toi, salut. Donc un objet, si je dis pas de bêtises, hein, le challenge, c'est un objet de chaque pièce. Je vais venir mettre à l'entrée et à chaque fois que je sors, je dois prendre un objet avec moi au camion. Commençons. Un objet dans la salle à manger. Un objet dans la cuisine. Je vais essayer de pas prendre deux fois les mêmes, hein. Non, 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 non. Merci. Ce serait fort sympathique de rester avec moi. Si en plus il faut que je commence à les chercher de partout quand je les ai posés. Pas couché. Oh nice, le jus est là, c'est bon ça. J'ai pris un objet ici. Hop. Tcha-tcha. Merci Yaya. J'ai cru avoir entendu une porte. Et bah j'étais en train de me faire la réflexion aussi. Ah bah c'est très le tonnerre. Il semble avoir entendu une porte. Ici j'ai pris un objet également, ça c'est bon. On va rallumer là. Hein. Pour voir un petit peu ce qu'on fait. On pose l'assiette, on pose la peinture. Là, c'est relou parce qu'il y a trois pièces. Ah. Il y a un objet qui a bougé tout proche de moi, là. C'était ici. Tiens, je te prends la bombe anti-cafard. Ça a l'air d'être en bas, hein. Le nom, s'il te plaît, je n'ai point vu. Richard Thomas. Encore un Richard. Est-ce que je peux prendre un objet là-dedans? Bah oui, je peux prendre une paire de chaussures. J'ai été surpris par le tonnerre maintenant, du coup. Ah, bonjour. Parfait pour un polter les objets devant ça. C'est ça, c'est le plan en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mince. Ma stratégie a été dévoilée. Je reste pas, je vais dodo, bonne nuit et tout, c'est bon live, ça marche. Titi, bonne nuit à toi, bon courage pour le réveil de demain et la journée de boulot. Et merci encore pour tous les subs et les tirs offerts. Tu régales. Bonne nuit, ciao, et à la prochaine. Si. Ouais, il me reste plus que la chambre et l'atelier du fond. Ma bougie va s'éteindre avant que je n'aie fini de faire le tour. Moi je reviens jouer au balcon, ça marche. Mais pourquoi il y a que des. Pourquoi il y a que de l'alcool dans cette chambre? Les seuls objets que je peux prendre, c'est de l'alcool. Sérieusement. De rien, le chat, c'est cadeau pour vous. Ouh, j'ai le poupée. De beaux cadeaux. Jeter des papiers. Pas d'autre chose, oui. Bien sûr. Tout à fait, Betty, tout à fait.
Là, il faut que je prenne un objet dans le... Ici. Dans la pièce là-bas. On a la poupée. Non. On va prendre la peluche. Voilà, je t'ai piqué ta peluche, Richard. Tu vas faire quoi? T'as vu? Si, si, t'as aucune chance contre moi. Il prend beaucoup trop de place sur l'écran. Le tas d'objets est beaucoup trop gros. ici, rien à bouger. Là, on a l'os. Okay. Là, je te pique la crème pour les corps aux pieds. Baron de la zup maintenant. Ok, bougie éteinte, donc il faut que je sorte avec l'objet. On va faire un joli tas ici. Hop là. On repose ce briquet. On ne sort pas la bougie, parce que sinon elle va s'éteindre et il faut retourner au camion, ce serait dommage. Oh, je l'ai omis trop tôt et je suis obligé de prendre l'objet parce que j'étais rentré. Merci pour ce défi. C'est génial. Quand la bougie est éteinte, il faut que tu amènes un objet dans le camion. Bah, et en fait, à chaque fois que je sors de la maison pour retourner au camion, il faut que je prenne un objet avec moi. Donc, si je voulais ramener la bougie, comme là j'ai fait, vu que j'étais rentré, je suis sorti pour aller au camion, j'étais obligé de prendre un objet avec moi. Voilà. Je respecte l'objectif. Mais je plaisante, Nairan. Je veux piquer le chapeau, moi. C'est joli le chapeau. Tiens, je te pique ton carnet de notes. Je râlais surtout contre moi parce que j'étais bête d'avoir allumé d'avoir mis la bougie avant. Il est là. De pince. Bon, ça y est, j'ai fait le tour de la maison. Nice. J'ai ramassé les objets dans toutes les pièces. Re-nice. Est-ce que c'est validé? Est-ce que j'ai pas oublié de pièces? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon? Non, je gère pas les seconds degrés, les ennemis. Okay. Et ben, je vais faire attention à ça. Du coup, vous validez? C'est bon? J'ai bien fait toute la maison? Pas trouvé l'objet maudit? Bah voilà. Il est là. C'était le miroir. Et vous constaterez que ça fait bien 5 minutes facile, voire même plus que je suis dans la maison. À part un bruit de porte et un bruit d'objet, on n'a rien d'autre. Donc on va commencer l'enquête. J'ai pris cuisine, ouais, cuisine workshop, j'ai pris dans la cuisine, j'ai pris une bouteille de bière et dans le workshop derrière, j'ai pris la bouteille de peinture. Celle-ci. J'ai fait. Une porte. Il semble. Ce serait ici. Ouais, c'est là. Il est par là. Par contre, j'ai oublié sur le coup d'avant de sortir avec un objet, donc je rattrape mon erreur. J'en prends deux. Viens avec moi toi. Et rebéti. Ouais bah je suis au canon les gars. J'ai ramené de la bière et de la crème pour les corps aux pieds. Paf. On va vérifier où est la température. On va prendre caméra dot. Let's go. C'est pas mettre la crème au corps aux pieds dans la bière, hein, c'est pour le massage. Faut boire la crème corps aux pieds, bon bois. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes ici? 4 degrés, c'est ça. Ici, ça ferme.
crois qu'il vient de faire un toc. Je vais ramener vite fait une lampe UV. Bah écoute, le papier m'a pas raconté de blague drôle avant d'être jeté, le toilette est froid. On ne veut pas plus de détails, Betty. D'accord, s'il te plaît. Oui, c'était bien un toc, ok. Donc, UV, EMF. EMF, ce sera beaucoup trop tard. UV, s'il y a empreinte, ce sera bon. J'ai pris l'objet, hein, la chaussure. Et on va lui amener un bouquin avec en même temps, ce sera fait. Allez, je suis le toit. Sinon, j'ai pas fume-fume. C'est bien. On a rien. Bien. Ça peut être toc-toc. La tête, elle est là. On a rien. On a rien non plus. Ça pour ça. Ah oui, les poumons disent un grand merci. On n'oublie pas l'objet en sortant. Hop. Oh, kleptomane, je ne vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Caméra, que nous dis-tu, caméra? Oh, caméra, pourquoi es-tu, caméra? Avec super shampoing pour seul. On a un petit orbe qui se trimballe sur la gauche. On l'a vu passer furtivement. Le revoilà. De coucou, c'est moi. Y a quelqu'un? On va amener un peu plus de caméras et dots. Qu'est-ce que j'ai gardé? Ah, j'ai gardé le MF. Et le benet. J'ai un benet. Et bonsoir Fifi, comment vas-tu? Moi ça va, à la coupe et le jus. À la coupe à le jeu. Brave, j'ai ma super caméra 3000. Ça me permet de voir comme si j'étais pas du tout dans le noir. Santé mentale ne me remercie pas, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que... La caméra. La porte. Ah. Bonjour. Jackie et Michel. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous amical? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? J'en ai fait quoi de la lampe UV? Elle est là. Non, c'est pas ça. Elle est là. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous ici? Êtes-vous amical? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Rien du tout. Rien du tout. Peggy 18. Que tu parles? Franchement. Y a-t-il eu des morts? Non mais ça va. Première chose qu'on demande quand on arrive sur le stream, c'est est-ce qu'il est mort? Eh ben non. Je suis un professionnel de la chasse de chien naturel, pas naturel. Voilà. On va prendre les crues au commencer parce que là. Les crues sont une bonne idée parce que nous sommes un petit peu avancés. Un ghost event. Comment ça, j'ai paniqué? Je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un feu allumé. Betty, tu as un petit peu trop anticipé ta carte. Mage. Où
Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous ici? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Allez, donnez-moi une preuve, là! Où êtes-vous? Nom de Dieu! Raté, j'ai raté l'interrupteur. Ne passe rien du tout. À part les Ghost Event, nous n'avons pas de preuve. Enfin, s'il y a l'orbe, mais pas une grosse preuve. Meilleur le cacao. Bon le cacao. Donc, du coup j'ai eu mon événement paranormal. Ah. Chercher les empreintes. Attends, est-ce qu'il a touché la porte? Non, c'est bon. Il n'est pas venu au camion. Richard, sérieux quoi? Tu peux pas lancer une attaque au lieu d'un ghost event? It's time for a shit! Voilà, d'abord. Bon, faisons le point. J'essaye d'aider un. Bah t'as bien raison. Oh. Des fois qu'il soit venu jusque dans le camion, au moins comme ça je suis... On est au clair, il a pas touché les portes du camion. Le Ghost Event de Baron. On a compris, Yaya, t'inquiète. C'est les doigts qui glissent sur le clavier, ça. Numéro 2. Voilà, moi aussi je peux mettre des tacs comme ça. Pas d'expert, mais bon. Tu veux des preuves, je cherche des solutions. Solutions tout adaptées. Je disais donc, je sais plus. Si, faisons le point. On n'a pas température. On n'a pas dots. On n'a pas spirit. Il faut que j'arrive à avoir soit l'empreinte, soit l'écriture, soit le MF. Ben on va aller l'aider un petit peu, le monsieur, là-bas. Mon fantôme, je ferai pareil, je m'approche des gens, je leur fais un chat dans la tronche. T'arrives, t'es tout discrètement derrière eux et tout, tu fais... Regarde, même le tonnerre, il acquiesce. Ghost Event. Voilà. Bah tiens, tu veux faire chais? Prends-toi l'encens dans la tête là. Tu vas pas faire malin longtemps. Je te le dis. Allez, donnez-moi des preuves là, c'est long. J'en ai perdu mal en puvée. Bon, ça va être un vieil UMF5. Faisons le point. Donc tu es la merde parce qu'il est un peu perdu, Baron. D'ailleurs, en parlant de perdu, je suis pas sorti avec un objet tout à l'heure, donc j'en prends deux. On ne dise pas que j'oublie, que je ne respecte pas mes défis. Grave à faire le prochain mate avec qui je vais jouer qui ne connaîtra pas ça. On va opter pour un EMF5 avec orbe et on serait. Ouais, j'ai en moyen quand même aurait joué à l'eau becquée parce que là. Tifstav ou Macarius. J'ai jamais vu un ongle aussi brillant que ça. T'as vu ça? Comment j'en prends trop bien soin? Baron a l'air impatient aujourd'hui. Non! J'essaie juste de vous proposer du contenu dynamique et intéressant. Parce que les entités, clairement, ne veulent pas le faire pour nous. Si vous vouliez du spectacle, eh ben c'était pas dans ces games-là. Il a touché la porte là-bas au fond. Je l'ai vu, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vite, la porte. Tu me diras quel vernis transparent tu mets, ça m'intéresse. Tiens, chais, je t'ai eu.
Où est-ce que j'ai mis l'UV? Où est-ce que j'ai mis l'UV? C'est définitivement pas l'empreinte. Pardon, excusez-moi. Ouf, j'ai pas senti venir celui-là. Ah. J'ai pas pris. On avait les os. Ah, il était où l'os, vous vous souvenez? Oh, il y a écriture. Eh bah, dis donc. C'est pas EMF, c'est écriture. Il aura fallu l'attendre. Hein. Est-ce que vous vous souvenez où était l'os, du coup? Je sais que je l'ai vu passer, mais je me rappelle plus où. Os en haut. Eh, c'est Rinten, escalier. Ah, il était dans la salle de bain. Il est en train de me suivre. Merci, monsieur Épée. Bien vu. Hop là. Des souhaits, merci Fifi. Des souhaits, tu ferais gaffe à deux doigts de fond un mur. Paf. On s'y en avoir du bazar là dans le coin. Il nous reste le sel et l'encens pendant la chasse. Bah on va faire le... Attends, il faudrait que je fasse la chasse. Pour savoir si c'est revenant au cauchemar. Je pense qu'on est sur un cauchemar. Ah. Ouh la poupée. J'ai pas entendu. Est-ce qu'il allait vite quand il m'a couru dessus là? J'ai pas fait... J'ai l'impression qu'il allait un peu vite quand même hein, quand il a commencé sa chasse. Enfin, si c'était bien une chasse. C'était bien une chasse. Il allait un peu vite le monsieur quand même au début. J'ai oublié ça. J'ai appris un truc aujourd'hui, j'ai peur des bébêtes. Ah. Non, grounded. T'as vu des fourmis et t'as eu peur? En même temps, quand t'affrontes des fourmis qui font ta taille. Le sel. Et... Mais est-ce qu'il allait vite? Là est toute la question. Et après, je l'ai pas du tout entendu. Avec l'orage, on n'entendait pas grand-chose. Pas sembler plus rapide que ça, mais il a attaqué à la lumière, mais 35% on y est. Allez, on va dire que c'est un cauchemar. Pas de fourmis, mais les araignées. On va dire que c'était un cauchemar. Comme le temps qu'on a dû attendre avant d'avoir une deuxième preuve. C'est bien un cauchemar. Ice.